shake your lash. Turkish teacher. Yeah. Mm-hmm. Bon bah c'est cool, yeah. Private course today. Merhaba les amis, j'espère que vous allez bien. Nouvelle journée, nouvelle aventure, nouveau vlog. 10e réveil à Istanbul. Mais là, nous sommes en direct de Eybelada. Oui. Et le micro est réparé, donc ça fait plaisir. On a du bon son. Yes. Alors, si vous suivez mes épisodes quotidiennement, vous savez qu'il y a deux jours, je me suis rendu sur l'une des îles aux princes à Bursagada. Donc, mon objectif, c'est de pouvoir toutes les visiter. Et aujourd'hui, on est parti pour une nouvelle exploration. Mais cette fois sur l'île de Eybelada. Alors si vous tombez un petit peu par hasard sur cette chaîne et que le contenu vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner pour me soutenir, à liker, à partager, à commenter. Merci beaucoup à tous ceux qui le font. Et si jamais vous avez loupé les épisodes précédents, car oui, je sors une vidéo par jour en ce moment en direct de la Turquie, je vous mets la petite playlist juste ici de l'aventure en Turquie et comment suivre en live les aventures comme si vous étiez bien avant les vidéos YouTube. Ça se passe toujours sur mon compte Instagram Ben&Co. Je vous poste plein de contenus qui viennent compléter les vidéos. On pousse l'exploration encore un peu plus loin. Et ben voilà, je viens de sortir du ferry, je suis posé. Et c'est là que commence la journée. Quelle tristesse, tous ces restaurants fermés, ces terrasses inoccupées. Ce serait un régal de pouvoir prendre un petit café ici. Alors je vous ai déjà expliqué, hein, c'est dû à la pandémie malheureusement. Qu'est-ce que c'est chill ces îles, hein. Sérieux, je kiffe. Ah, il y a un petit terrain de foot sur celle-là. Trop classe. Ce qui est génial, c'est que même sur ces petites îles, ils ont mis des appareils de street workout pour faire du sport en extérieur. C'était pareil la dernière fois sur l'île de Bursagada. Il y avait aussi le petit coin sport. Donc là, je commence un petit peu à m'excentrer du centre-ville, de la partie par laquelle nous sommes arrivés en ferry. Et vous pouvez constater à quel point la nature est toujours autant présente sur cette île, hein, comme à Bursagada. Et l'atmosphère y est tout autant apaisante, j'ai envie de dire. On est bien là. Hein. Je vous cache pas, j'ai une sorte de petit déjeuner dans la main et que j'attends juste de trouver un petit spot où me poser pour pouvoir déguster ça. Alors c'est dommage parce que, en fait, depuis tout à l'heure, je cherche un petit endroit où me poser. Et là, il y a plein de petites tables de pique-nique en pleine nature, mais on peut pas y accéder, il y a une barrière. Voilà. Donc ça doit faire un petit kilomètre que je me traballe mon café et mon petit déj. Mais bon, on est quand même bien. Hein. Il est vraiment sympa ce petit passage comme ça, là, à l'ombre, à l'air frais. Des petits coins de soleil, des petits coins d'ombre, on n'a pas trop chaud. On est bien. Il y a le vent qui nous
qui nous caresse un peu la peau. Bon, je crois qu'à un moment, il faut savoir se résigner. Hein. Après avoir marché une bonne vingtaine de minutes en direction, je dirais, est de l'île, puisque lorsqu'on sort du ferry, c'est directement à droite, j'ai pas trouvé de spot où manger, puisque comme je vous ai expliqué, les petits spots où je voulais me poser, on pouvait pas y accéder. Donc là, je suis sur une sorte de marina, et encore, j'ai de la chance, parce que je sais même pas si j'ai le droit. J'ai suivi une dame discrètement et je me suis posé. Et c'est de là que je vais enfin pouvoir déguster mon petit déj. Donc là, j'ai pris un sandwich. Ça m'a coûté 10 lire turques, ce qui fait à peu près 1 euro. On dirait un petit déjeuner turc, mais dans un pain. C'est-à-dire qu'on retrouve les mêmes ingrédients du petit déj turc, de la tomate, du concombre, du fromage, une petite tranche de salami, avec un bon pain d'ailleurs, qui a l'air d'être un bon pain fait maison. Je crois que cette nourriture n'aura jamais fait autant de kilomètres sur l'île. On a une petite douceur de la boulangerie. Je ne sais pas du tout ce que c'est, mais c'est en train de s'effriter. C'est bon. C'est une sorte de pain au raisin, mais très très moelleux. Très très bon. Burgazada. Burgazada, ok. Wow, but where is your house? In shop. Center, in the center. Yes. Okay. Good, very good. What is your name? Özgür. Özgür? Okay. Yes, I am a singer. Benjamin. Benjamin. You singer? Yes. Can you sing? Yes, makam singer. You can sing something for me in Turkish? In Turkish. Yes? Yes. Okay. Ada sahillerinde bekliyorum, her zaman yollarını gözlüyorum. Yarim seni serian istiyorum, beni şad et güzelim başın için. C'est beau. J'ai des petites larmes. Waouh, j'étais en train de dédicacer la nourriture au tipeur. D'ailleurs, j'en profite pour le faire tout de suite. Je voudrais remercier Evan Le Corfec et Myriam. Voilà. Merci à vous. Petite dédicace du jour ici en direct de Eybelada. Avec de délicieuses petites douceurs, je suis tombé sur une dame incroyable, d'une gentillesse. C'est une chanteuse. Je lui ai demandé si elle pouvait me faire une petite démo. Elle m'a chanté un petit morceau en turc. C'était beau. Ça m'a donné des petits frissons, je vous promets. Magnifique, avec ce cadre de vue en plus, incroyable. Si on n'est pas bien là, franchement, j'ai envie de dire, comme quoi, hein, c'est toujours du mode quand rien n'est prévu. Et puis au final, on se retrouve sur des endroits comme ça, on rencontre des gens partout extraordinaires. Et cette fois, je tiens à préciser, vous avez pas remarqué, il n'y a pas de mouette, je me suis pas fait agresser. Regardez ici, le livreur du mini Carrefour de Lille fait sa petite livraison en tuk-tuk. Car comme je vous ai dit hier, sur les îles Teşekkürlü, il n'y a pas de véhicules motorisés. Ce sont des petits véhicules électriques qui permettent aux habitants de circuler, et aussi en vélo bien évidemment. Alors, à ce moment précis de l'exploration, je dois vous faire part d'une très grande tristesse, car je ne sais pas si j'ai perdu ou si j'ai simplement égaré à l'auberge un petit câble en fait qui me permet de pouvoir commander mon drone. C'est ce qui relie en fait mon téléphone à la télécommande, et sans ça je ne peux pas manipuler mon drone. Donc pour aujourd'hui, je suis extrêmement désolé, pas de plan de drone. Il faudra attendre ce soir, ce sera la petite surprise de savoir est-ce que je le retrouve, est-ce que je l'ai simplement égaré dans ma chambre, ou bien est-ce que je l'ai perdu la dernière fois quand j'ai sorti mon drone sur l'île de Bourzagada. J'en ai strictement aucune idée, mais maintenant, je sais où aller si jamais je l'ai perdu pour en racheter un, puisque j'ai trouvé le coin de l'électronique à Istanbul.
Merhaba. Merhaba. Göremiyorum ki şu an. Açamıyorum ki. Regardez-moi si les gens ils sont pas bien ici, franchement. On vient se faire un petit pique-nique, se détendre avec un cadre de vue comme ça. Oh, quel régal, hein, se sont installés une petite table. Franchement, peinard quoi. Bon, alors en fait, je me suis fait stopper dans mon élan. Parce que le chemin que je viens d'emprunter, c'est le début d'un parc naturel et l'entrée coûte 5 lire turcs, ce qui fait à peu près 50 centimes. Et bien évidemment, je ne pouvais pas passer par un chemin aussi joli et aussi paisible sans me prendre un petit chai, un petit thé turc en face d'une vue sublime. Ben voilà, on se la coule douce, hein. Allez Belada, à la vôtre. Ouh, il n'y a pas que moi qui me la coule douce, il y a aussi mon thé qui fuit. Ouais, c'est des choses qui arrivent, les petits problèmes de la vie. Monsieur, j'ai le thé qui fuit. Et c'est incroyable. On dirait que la vie des fois vous envoie des signes. Si mon thé n'avait pas coulé, je ne serais pas retourné à l'intérieur. J'ai pas fait gaffe, j'avais laissé mon porte-monnaie sur la table, mais en ce moment je suis tête en l'air. C'est un truc de ouf. Du coup je m'en suis aperçu heureusement. Et waouh, qu'est-ce qui m'arrive en ce moment? C'est la fatigue ou quoi là? Oh, faut que je me ressaisisse. You? 1 milyon. 1 milyon? Evet. 1 milyon bir sabah. Ne diyorsun? Çok merak ediyorum da. 1 milyon mu takipçim var diye şey yapıyordu. Evet. Je leur ai fait une petite blague. Ils m'ont demandé combien j'avais d'abonnés, j'ai dit 1 million. Du coup, ils étaient surpris. C'est une blague, it's a joke. You're trolling us. Okay, nice to meet you. Me too, bye-bye. Même les chiens ici sont détendus. Regardez. C'est propice à la sieste, hein. Oui, je fais des petites blagounettes de temps en temps. Quand on me demande à quoi me sert ma caméra. Et que je dis que je fais des vidéos. On me demande mon nombre d'abonnés. C'est drôle parce que on dirait que c'est... Enfin, bon, j'avoue, 1 million, ça fait beaucoup en même temps. Mais quand tu dis à quelqu'un, t'as 1 million d'abonnés... C'est trop bizarre, j'ai l'impression qu'on te regarde différemment quoi. Comme si t'avais atteint un stade supérieur dans la hiérarchie sociale et que ton nombre d'abonnés déterminait la personne que tu es, et ce qui est strictement faux. Tu peux avoir 0 abonné, mais faire du contenu de malade et être une super personne. Le nombre d'abonnés ne veut pas dire la qualité des vidéos, ni ne veut dire le comportement d'une personne. Voilà, ça détermine pas l'être humain qu'on est. Ça détermine seulement une passion partagée et qui est appréciée par de nombreuses personnes. Voilà ce que je pense de ma définition du million d'abonnés. En tout cas, je suis très content d'avoir emprunté ce chemin par le plus grand des hasards,
car rien ne s'y prêtait. Hein. C'était écrit entrée de plage, mais ici, souvent, il y a des entrées de plage. Et au bout, ce sont des restaurants. En fait, ce sont des plages parfois, des petits bouts de plage qui appartiennent à des restaurants, des petits coins, avec des terrasses. Et comme les restos sont fermés, du coup, les petits coins de plage, les petites terrasses sont fermées. Mais je me suis dit, vas-y, c'est pas grave, je vais tenter. Donc j'ai pris un chemin, j'ai descendu une pente et je me suis retrouvé là, voilà, comme je vous ai dit, par le plus grand des hasards. Et je suis bien content finalement d'avoir payé mes 5 lires turcs pour emprunter ce chemin où je me retrouve complètement seul, quoi, avec un cadre de vue exceptionnel en pleine nature, en direct de l'île de Eibelada. Alors je sais pas si je le prononce bien, je dois sûrement avoir un très mauvais accent parce que normalement ça s'écrit Eibelada. Bref, je fais de mon mieux, j'essaie tous les jours de progresser en turc. Au teşekkürler, merci beaucoup. Ah, encore ? Bon allez, c'est quoi des mirabelles ? Teşekkürler. Ils sont gentils les gens, voilà. Tu te promènes, tu t'empruntes des petits chemins comme ça en plein milieu de la nature. Tu tombes sur des gens qui sont en train de chiller au milieu de tulpas. Entre deux arbustes, ils ont raison, ils se la coulent douce. Et puis, ah encore ! Bah c'est gentil ça. Dès maintenant c'est des cerises, ça me redonner un peu d'énergie. Teşekkürler, hein ? Türkçe biliyor musun chatbot ? Comment ? Türkçe. Turquie ? Ya fıtı tu. Non. Non, França. Elles sont drôles ces mirabelles parce que elles sont toutes dures. Elles sont acides et croquantes. Mais visiblement, j'ai l'impression que ça se mange comme ça ici. Ça me rappelle d'ailleurs mon voyage en Colombie. Les gens avaient pour habitude de manger de la mangue pas mûre. Voilà, c'était découpé en lamelles, ils vendaient ça dans la rue. Et ils trempaient ça dans une sorte de poudre pimentée. Et voilà, ça se dégustait comme ça. Pas mauvais, très croquant. En tout cas, je me suis senti beaucoup moins seul aujourd'hui. Parce que j'ai discuté avec ce charmant couple et le monsieur était absolument fan de football et il m'a sorti plein de noms, Zidane, Petit, etc. Et comparé à avant-hier, je vous avoue que je me sens mieux. Pour ceux qui n'ont pas compris la référence, je vous laisse aller voir l'épisode que j'ai tourné sur l'île de Burgazada. Bon alors ici on se fait vraiment inviter partout. Partout où on va, on trouve des gens qui chillent sur l'île dans des endroits comme ça, voilà. Ils s'installent et là ils m'ont invité à boire un petit verre. Alors c'est pas du thé hein, c'est du vin. Du vin turc, Turkish wine. Turkish wine, yeah, yeah. Ah bah okay. Allez, il y a une It's première photo. Ça va. Like ça va bien. Ça va bien. Au moins c'est facile à retenir. Teşekkürler. How do you say santé in Turkish? Şerefler. Şerefe. 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 Yok, şerefe. Şerefe. Çok güzel. Şerefe. Bomba. Nice, çok güzel. Nice, çok güzel. Evet, very nice. Çok güzel. Çok güzel. Evet. Çok güzel. She's teacher. A teacher of... Ah yeah, really? Teacher of... Turkish teacher. Turkish teacher. Yeah. Mm-hmm. Bomba, c'est cool. Yeah. Private course today for me. You okay? Il est pas bon ce Turkish wine. I got it, bro. Non. J'ai bu de travers. J'ai bu trop vite. I drink too fast. Yeah, because of that. Halal. Alors là, j'ai. You say halal. But it's stuck in your throat. Ah non. Halal. Yeah. It's like. It's stuck in here. Stuck here. You cannot slow it. It's like help. Yeah, no, it's not help. Like you cannot slow it. Mm-hmm. Like, but. Commenting like cough. Halal. Helal. Allah'ım şükürler olsun ya Rabbim. Ok, very interesting. Voilà, j'apprends plein de nouveaux mots. Si on s'étouffe, faut dire helal. Et là, ma prof particulier de turc m'apprend des fraises çilek. On fait le tour des fruits. Alors là, on a des cerises. Kiraz.
Kilas. Kiraz. Kilas. Kiraz. Les abricots. Kayısı. Kayısı. Çok güzel. How is my pronunciation? Yeah? Oh, bah, merci, ça fait plaisir. Thank you very much. Eric. 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 But green. Yes. Yeşil Eric. Yeşil, but yellow. The people, they love to eat like this in Turkey. This. Because in France, we eat when it's more sweet. Yeah, when yeah, it gets more sun. Here is more. Yes. Yeah, we love this. Yeah, yeah, with salt, it's good. With salt? Yes. Ah. Not maybe yet. You can we have salt little bit in fact. D'accord, ok, yeah, bon ben yeah. Voilà, tout s'explique, c'est comme en Colombie alors. Ici ils mangent avec un petit peu de sel. On met un petit peu de sel sur la prune. Ok. Let's try. Nectarine. D'accord. Nectarine. Très intéressant. Nectarine. On apprend toujours un peu plus sur la culture, hein. We learn every day about Turkish culture. Donc j'ai beaucoup de chance, hein. I'm very lucky today. Nectarine. Ah bah, same in French. Nectarine. 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 Teşekkürler. Teşekkürler. Last time when I was in Burdagada, I took the one at 6. Because he does first here and after. It was your day. No, but because I mean, like, I love to share my passion, to record my. You can do Turkish language. No, I want to. Yeah, yeah. She can do no, better. No, yeah, no, yeah. Please, no. Okay, okay. Please. Ah, I can't. I don't know. Ladies and gentlemen, due to weather conditions, please return to your seat and keep your seatbelt fastened until the seatbelt signs are off. Thank you for your understanding. Bon, ça va, il n'y a pas de turbulence ici, no turbulence, ouf! Merci, merci beaucoup! Ciao! Bon, à ce rythme-là, ça va être très difficile de faire le tour de l'île si on s'arrête partout. Mais c'est ça le voyage! C'est ça, c'est rencontrer des locaux d'ailleurs. On a une super discussion, hein. On est resté longtemps ensemble. Donc il y en a trois qui travaillent pour Turkish Airlines. Ce sont donc des stewards et hôtesses de l'air. Et il y avait une fille qui était donc professeure de turc, ce qui m'a énormément bien aidé d'ailleurs. On a une super conversation parce que il y a un des garçons qui me demandait « Qu'est-ce que tu connaissais de la Turquie avant de venir en France ?» Et alors moi j'ai répondu « Rien, c'est pour ça que je voyage. » Parce que nous, oui en France on connaît les kebabs effectivement, mais qu'est-ce qu'on connaît en fait réellement de la Turquie, c'est vrai. Et c'est pour ça que je voyage. Parce qu'en général, avant d'aller dans un pays, je connais strictement rien de la culture, sauf si j'ai la chance d'avoir des amis franco-turcs, franco-colombiens. Bon, j'ai mon ami Muammer Yilmaz, mais ce que je veux dire, c'est que je connaissais pas plus la culture turque que ça. Et c'est pour ça que je voyage. C'est pour apprendre, c'est pour découvrir, c'est pour rencontrer des gens. Et il n'y a rien de mieux que d'être justement dans un pays, de discuter avec les locaux pour s'imprégner de la culture locale. Donc ils étaient vraiment ultra, ultra, ultra gentils, très sympathiques et très fun. Et d'ailleurs, un moment, j'ai dit à l'un des garçons qui s'appelait Fulkan, c'est pas possible, je me fais inviter partout. Et il m'a répondu, it's Turkish hospitality, l'hospitalité turque. Donc voilà, la leçon du jour c'est, arrêtons de stéréotyper et d'assimiler l'image de la Turquie seulement au kebab, car la culture turque, c'est bien évidemment une culture chargée d'histoire. Et j'espère pouvoir vous le montrer du mieux que je peux tout au long de ce road trip Turquie. C'est beau, hein. On arrive sur des spots à chaque fois. Toujours autant plus beaux les uns que les autres. Diyorum bak buradan buraya pas atması için dikkat edin. Yönlendirdiğin kapıyorsun bunu. Topu burada aldığınızı düşünseniz abi. Kontra ataklar öyle bak. Şimdi oradan Galatasaray çok beraber. Je viens d'atterrir sur une plage, c'est un petit coin de paradis. Décidément,
cette île réserve énormément de belles surprises. Et je suis tellement, mais tellement déçu de ne pas pouvoir piloter mon drone. J'aurais fait tellement de belles images. Ça aurait été incroyable, il y a tellement de spots. C'est la vie. Je reviendrai, c'est décidé. Et avec le drone. On est presque de retour là où nous avons commencé ce matin, où le ferry nous a laissé, et je vous laisse admirer ces belles maisons colorées. Alors ici il y a autant de très 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 vieilles maisons comme celle qui est là-bas par exemple, qui sont en train d'être retapées. Autant on peut trouver aussi des petites maisons, des tout petites maisons colorées très 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 jolies. Et puis autant on peut trouver aussi, voilà, des petits bâtiments comme ça, à plusieurs étages. Attention, vous devez avoir vu peut-être un intrus qui s'est glissé dans l'image. Café, et le monsieur m'a fait jouer sa grille du loto. J'espère que ça lui portera chance. Que la force soit avec vous, cher monsieur. Tchè Kourle. Que ça vous porte chance en espérant chance. Le million, la chance. Comment Tchè Kourle. Au revoir, Ibelada. C'était une journée magnifique sur une île. Magnifique. Toutes les personnes que j'ai croisées m'ont dit qu'il faut absolument que tu ailles aux îles aux Princes car c'est splendide et elles ne se sont pas trompées. J'ai adoré vadrouiller dans cette île qui est aussi belle que la première qu'on a faite ensemble. Il me tarde maintenant d'aller voir les autres. Alors j'ai eu beaucoup de chance pour deux raisons. La première, c'est qu'on est vendredi et la deuxième, c'est qu'on est dans une période assez particulière qui fait que l'île n'était pas extrêmement fréquentée. Alors, on m'a expliqué que le week-end, c'était assez blindé, mais là, franchement, on était plutôt tranquille. On est escorté par la patrouille de France. On se croirait le 14 juillet. On a les mouettes qui volent au-dessus de nous. Bref, j'espère que vous avez passé un agréable épisode en ma compagnie. Je vous donne rendez-vous demain en direct de la Turquie. D'ici là, je vous dis comme d'habitude, prenez bien soin de vous. N'oubliez pas de voyager, mais surtout, n'oubliez jamais que quand rien n'est prévu, tout peut arriver. Et moi, je vous laisse sur de belles images. À ciao, ciao.